Dernière séance du Festival du cinéma britannique et irlandais, tel l'épilogue d'un voyage en 18 films qui aura duré presque 10 jours. Avec cette 13e édition, Undermaid Screen a rayonné plus que jamais. Une semaine et trois lieux, hein, faut pas l'oublier. On a vraiment, ce que je disais à un moment donné, chacun a pu faire son film dans son cinéma. Voilà. On est très heureux d'avoir reçu des invités de marque. Tel Sylvain Després, on s'est juché cette année vraiment sur l'épaule de géant, et c'est pour ça qu'on voit bien qu'on est monté aussi en qualité, on est monté aussi en visibilité auprès du grand public qui est venu à notre rencontre. Car Sylvain Després n'est pas moins que le storyboarder de Ridley Scott ou de Stanley Kubrick. Membre du jury, son coup de cœur, c'est The Quiet Girl, l'histoire d'une jeune fille dans l'Irlande des années 80. On peut voir ça avec un regard cynique et se dire « Ouais, voilà, encore une histoire à dormir debout avec une pauvre petite fille maltraitée. » C'est pas du tout ça. Justement, cette capacité d'aborder je crois que c'est basé sur une nouvelle, avec un regard totalement sans filtre, en fait, sans aucun filtre. Il fait de la téléphonie, Marcin. On n'a rien tombé. Pour les gens qui se souviennent de leur enfance, il y a énormément d'observations, de détails qui sont très crus et des performances qui sont justes. Autre pointure de la réalisation, Jean-Claude Thibault. Ce cinéaste a travaillé avec les plus grandes stars mondiales. Lui aussi est particulièrement sensible à la délicatesse des films sélectionnés. Ces films étaient tous basés sur des mouvements de communauté positives pour des belles choses, pour sauver l'art, pour un film qui s'appelait Save the Cinema, pour rechercher un roi qui a été jamais reconnu. Dear Mr. Spielberg. Donc, pour des choses un peu plus grandes que simplement nos problèmes quotidiens, etc. Des choses jolies. Un festival qui a mis le beau à la portée de tous. Environ 2000 scolaires ont été accueillis cette semaine.